Donald et Melania Trump, l'un des couples les plus célèbres du monde, ont un fils nommé Baron, qui est tout aussi connu qu'eux. Baron a attiré l'attention du public, surtout pendant la présidence de Donald Trump. Maintenant que le plus jeune des Trump a terminé ses études secondaires, il est prêt à entamer le prochain chapitre de sa vie. Cependant, la vie de Baron est loin d'être ordinaire, il a grandi en côtoyant des personnes célèbres et puissantes. Des mannequins de Victoria's Secret aux hommes d'affaires d'influence internationale comme Elon Musk, le cercle social de Baron Trump suscite l'envie de nombreux jeunes. Pourtant, Baron Trump est bien plus qu'il n'y paraît, ce qui laisse présager un parcours semé d'embûches. Voici la vérité sur Baron Trump que beaucoup ignorent. Baron Trump est le fils de Donald Trump, le 45e président des États-Unis, et de l'ancienne première dame Melania Trump. Il est né le 20 mars 2006 à New York. Il est le plus jeune des 5 enfants de son père et le seul enfant de Melania Trump. À son insu, il est le premier fils de président à occuper la résidence officielle de la Maison Blanche depuis 1963. À l'exception de John F. Kennedy, tous les autres présidents américains avaient des filles. N'est ce pas intéressant? Baron Trump a grandi à New York avant que son père ne devienne président, vivant dans la Trump Tower à Manhattan. Sa mare, Melania Trump, est née en Slovénie, ce qui fait que Baron parle l'anglais, l'eslovane et le français. Ses parents attachent une grande importance à son éducation. Baron a fréquenté des écoles privées, notamment la Columbia Grammar y Preparatory School à New York et la ESET. Andrews Episcopal School à Washington, desde 11 y que la poursuivis ese tu desala ESET. Andrews Episcopal School a prason de management a Washington. Baron Trump este galement connu por son interés por le fotoad. En 2017, il a rejoint la Academia de Fotoad de DC United. En dehors de cela, peu d'informations sur lui ont été partagées dans les medias, car sa famille essaye de garder sa vie privée secrète. Baron Trump est le plus grand des enfants du président. Bien que son père, Donald Trump, mesure 190 cm, Baron sera item core plus grand, puisqu'il mesurera item viron 206 cm a son geuneage. Pendant la presidencia de Donald Trump, Baron Trump a generalmente teteno a l'écart des projecteurs médiatiques. Melania Trump a fait des efforts considérables pour protéger sa vie privée. Bien que Baron suit à paro en public a plusieurs reprises avec sa famille, il est connu pour préférer rester en retrait et ne pas aimer se retrouver devant les caméras. Ces derniers jours, Baron Trump a rencontré Elon Musk. L'ancien président Donald Trump a fait un geste important en invitant son fils de 18 ans, Baron, a une réunion transmédiatisée avec des personnalités influentes telles que Elon Musk et le milliardaire Nelson Peltz. Cet événement stratégique, qui s'estenu dans la propriété de M. Peltz à Palm Beach, a offert a Baron un rare aperçu du monde complexe des manoeuvres politiques à NGUXLVS qui pourrayen façonner la campagne de 2024 ou un éventuel second mandat de M. Trump. Le fils de Musk, GX, âgé de 4 ans et issu de sa relation avec l'actrice Grimes, ainsi que le fils de Peltz, Diesel, un entrepreneur en technologie et ami de Musk, ont également assisté à la réunion. Selon le Wall Street Journal, Musk, l'inventeur de Tesla et SpaceX est l'un des hommes les plus riches du monde, s'espu proposer un rôle potentiel de conseiller, notamment au pras de Trump. Compte tenu de la grande influence de M. Musk et de son expertise technologique, cette rencontre la hizo entrevoir la possibilité d'une alliance significative. Bien que Trump et Musk aient eu des désaccords par le passé, il semblent avoir trouvé un terrain d'entente concernant leurs préoccupations sur la montée d'une culture EVG. Ce rapprochement intervient à un moment où Donald Trump cherche activement des financements pour renforcer sa campagne de réélection, qui s'annonce controversée, avec les nombreuses publicités en ligne et à la télévision. Cette rencontre est d'autant plus importante que ya eu lieu un mois avant que M. Trump ne dépasse le président Joe Biden en termes de financement de campagne en abril, ce qui indique un soutien financier significatif pour la candidature de l'ancien président. Au cours de cette réunion, señores, Trump et Musk ont abordé une variété de sujets, notamment les politiques d'immigration, les questions de haute technologie et la puissance spatiale. Señor Musk algalement reitere son soutien a M. Trump lors des prochaines élections présidentielles du 5 novembre, où ce dernier se presentera contre la nouvelle candidate du Parti démocrate, la vicepresidente Kamala Harris.
l'Amèrica està la croisée des chemins, et vous êtes le chemin vers la prospérité, tandis que Kamala est le contraire, a declaré M. Musk a M. Trump a un moment de la conversation. La relation entre Musk et Trump, qui se sont critiqués en ligne par le passé, a évolué ces dernières années. En fait, les conversations sur qui sont devenues amicales, chacun faisant l'éloge de l'autre. Outre les discours importants, la réunion a également été marquée par des moments humoristiques qui ont mis en évidence l'alchimie personnelle entre Trump et Musk. Señor Musk a fait remarquer que de nombreuses connaissances de M. Trump avaient acheté des véhicules Tesla, ce qui indique une tendance croissante parmi les cercles et ses clientes les deux hommes. De nombreux amis de M. Trump possèdent aujourd'hui des Teslas, a déclaré M. Musk, soulignant la traite de la voiture électrique pour l'élite. Il a également raconté des anecdotes amusantes sur la prédilection de M. Trump pour le Cybertruck de Tesla, un véhicule unique en son genre. Señor Musk admis en toute franchise que M. Trump le contactait souvent sans savoir d'objectif précis. Il a précisé que l'ancien président américain l'appelait sans raison particulière et qu'il ne savait pas pourquoi. Cependant, Musk apprécie l'attitude agréable de Trump lors de ses appels téléphoniques non planifiés, malgré l'absence d'objectif clair. Même si son pare essaye d'inclure Barron dans ses réunions officielles, il semble que Barron ne les apprécie pas. Il est évident que Barron, qui avait accompagné ses parents lors de la précédente campagne électorale, n'était pas enthousiaste à l'idée d'y participer. Après tout, ce n'est pas le genre d'environnement qu'un enfant de 10 ans apprécie généralement. Il a dû écouter des discours qu'il ne comprenait pas alors qu'il aurait préféré être chez lui à jouer avec ses jouets. Il semblait tellement s'ennuyer que, pendant le discours de victoire de son pare, sa mare a essayé, en plaisantant, de l'inciter à participer et de lui faire apprécier le moment. Sa mare l'appelle Mini Donald, mais il est évident qu'il ne partage pas l'intérêt de son pare pour la politique. En fait, il était presque malade à l'époque. À l'âge de 8 ans, il a participé à une émission de télé-réalité sur la famille Trump et a été invité à plusieurs reprises dans l'émission d'Oprah Winfrey. Selon une interview de sa mare, Barron n'aime pas porter de pantalons de survêtement ni de jeans, c'est pourquoi son armoire est remplie de costumes. Son plus grand plaisir est de porter une grande variété de cravates. Depuis que Donald Trump a quitté la présidence, Barron Trump vit en Floride avec sa famille et fréquente actuellement le lycée. Sa vie privée est en écarté des médias, peu d'informations sont disponibles à son sujet. Bien que la vie de Barron Trump soit fortement influencée par l'identité politique de sa famille, il semble s'efforcer de mener une existence plus normale, à l'abri des regards. Que pensez-vous de Barron Trump? Pensez-vous qu'il suivra les traces de son père et se lancera dans la politique à l'avenir? Ou peut-être a-t-il été très impressionné par Elon Musk lors de cette rencontre et aspire-t-il à lui ressembler? Qu'en pensez-vous? No oublies pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.